You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our world. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En pleine forme, on est dimanche aujourd'hui, d'où ma tenue un peu plus décontractée et mon petit peu de maquillage. Dimanche c'est journée cool, il fait très gris dehors, un petit peu humide. J'étais en train d'imprimer ma recette, je vais me mettre en cuisine. J'ai préparé les poulets pour ce midi, donc j'ai fait un fond de pommes de terre que j'ai coupé juste en rondelles. J'ai mis les poulets au dessus, je vais commencer à faire cuire au four. Et une fois que ça commencera à bien dorer, j'ajouterai un peu de fond de veau, de volaille pour aider à la cuisson des pommes de terre. Et je ferai ça avec une poêlée de légumes pour ce midi. Là, je vais attaquer les deux desserts que je voulais faire pour la semaine. Tiramisu aux fruits rouges et puis moelleux chocolat amande. Alors, le moelleux chocolat amande, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et par contre, il va falloir que je regarde, parce que les petites crèmes que j'ai fait hier au chocolat, la recette de Coco Mix, elles sont pas prises. En fait, elles sont restées liquides. Je pensais qu'en les mettant au frigo, elles auraient pris, mais non. Donc du coup, je pense que je vais tout reverser. Vous voyez, c'est encore vachement liquide. Elles sont bonnes, hein. Au goût, elles sont bonnes, mais trop, enfin voilà, très liquide, ça fait... yaourt à boire quoi en fait. Donc du coup je vais les remettre sur le feu. Et alors je sais pas, est-ce que c'est parce que ça a pas été assez en température, du coup la maïzena a pas eu le temps de prendre, j'en sais rien. Mais je vais essayer de remettre tout reverser dans une casserole et essayer de refaire chauffer pour voir si ça reprend. Mais bon, là déjà je vais attaquer mon gâteau au chocolat amande chocolat. C'est un gâteau qui est vraiment très dense mais humide. Je sais pas si vous... En fait, il y a très peu de farine dedans, c'est beaucoup de la poudre d'amande. Et ça donne une texture entre le moelleux et le gâteau un peu... Ouais, ça donne une texture humide. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, il est très mou, très tendre, très... Greg l'adore, les enfants aussi. Et à chaque fois que je fais ce gâteau, accompagné d'une petite crème comme j'ai fait de crème anglaise à l'amande amère, à chaque fois il fait fureur quand je reçois ou quoi, tout le monde l'aime bien. Bon, sauf si vous êtes comme Stécie, que vous aimez pas le gâteau, que vous aimez pas le chocolat. Voilà, ça, voilà. Hein. Mais qui? Franchement, je pense que Stécie, ça doit être une exception. Qui n'aime pas le chocolat? C'est pas possible.
ici, on va attendre qu'il refroidisse, il n'y aura plus qu'à le démouler. Et j'ai refait chauffer du coup mes crèmes d'hier. J'ai essayé de les faire chauffer comme ça et elles n'ont pas épaissi. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu de maïzena. Il n'y a peut-être pas assez de maïzena dans la recette. Donc comme je vous ai dit, c'est la recette du coup comics que je vous ai montré hier, que j'ai fait. Donc voilà, là elles sont bien prises. On verra, on va les mettre au frigo et puis on va les relaisser refroidir du coup. Bah voilà, les desserts pour la semaine du coup sont prêts. Hop, les poulets sont en train de cuire. Moi je vais aller répondre à vos commentaires de la vidéo d'hier. Comme ça, ce sera déjà fait. On va manger. Greg a mis déco ou négo sur Sister. Genre d'émission qui fait rêver, hein. Hein? Greg veut partir aux États-Unis juste pour les maisons. C'est des big maisons avec plein de pièces. Hein? Bon, après, quand tu regardes quand même leurs maisons, elles font peur quand même, Greg. C'est sûr, rénovées, elles sont bien, mais là, leurs maisons là. Non mais attends, là, les... Oui, ok, ok, non mais attends, là, ils ont coupé dans le placo pour intégrer le frigo. C'est beaucoup de maisons en bois avec des... Voilà, maisons individuelles en bois, machin et tout. Hein. J'en sais rien. Mais je comprends pas les gens qui sont restés dans des maisons comme ça. Ils achètent des maisons à travaux. Ben non, mais ils achètent des maisons à travaux, ils font pas les travaux. Après, tout le monde n'est pas. C'est pas donné à tout le monde de faire. Oui, je sais bien. Non, mais attends, regarde, comme là, regarde la salle de bain. La salle de bain, c'est des placos collés au mur en fait. La chambre parentale n'ayant pas non plus son dressing, Candice utilise la chambre voisine pour s'habiller. Mais là encore, la question n'est pas chaude. Ouais. Mais bon, ça fait rêver quand c'est les autres qui font les travaux en peu de temps en plus. Hein? Oui, je sais. Mais bon, bah oui, c'est ce que je te dis. Attends, je suis désolée. Il y a des trucs, c'est franchement, voilà quoi. Là, elle a un mur, il est craque complètement cassé. On voit la brique. Me dis pas que le mec, il peut pas. Enfin, ou je sais pas, ou tu fais quelque chose quoi. Surtout que là, ils payent les travaux. Tu vois, ils réinvestissent dans les travaux. Mais c'est plus facile de faire payer des gens que... Oui, non, mais du coup, ils auraient pu les faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ils auraient pu les faire. Tu vois. Bon, allez. Ce que j'aime bien aussi, c'est avec... ah, comment il s'appelle le couple, là? Le mec qui est un peu marrant, là. Ouais, c'est un peu asiatique. Ouais, et je les aime bien, elle aussi. Et j'aime bien son style. Elle a sorti des bouquins et tout. Elle aussi, c'est impressionnant quand elle prend une maison et qu'elle la rénove complètement. Bon, et on va manger. On a fini de manger et on est encore en train de regarder... c'est quoi? Déco ou réno? Ouais. Ah, ça vend du rêve. Boire un petit café. On va aller se balader un petit peu. On va aller promener Marley. Alors on va pas aller loin, je pense qu'on va aller jusque là où on... Greg va le promener le soir. On va faire un petit tour dans le quartier, puis on va aller à la prairie, comme on dit. Ça, en fait, ce qui est bien, c'est que là on peut le lâcher. Comme c'est clôturé et tout. Pas de danger. Alors il sauve pas, hein, mais voilà, au moins là il y a de l'espace et il peut courir comme il veut. Bon allez, je vais essayer de me trouver une paire de chaussures parce que, en fait, voilà, on va se balader dans le dilemme là. On va balader dans le quartier, donc j'ai pas envie de mettre des grosses chaussures toutes dégoûtantes, on va dire. Mais en même temps, on va dans le terrain. Et là, ça risque d'être la gadou. On va essayer de trouver un compromis. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but
you have to. Put your trust into us and we will help you through. 'Cause we only want what's best. What's best for you. Bonne balade d'une cinquantaine de minutes. Hein? Combien? 50 minutes. J'ai froid à mes oreilles. T'avais compris quoi? Ah non. Il fait frais dehors. Mais il pleut pas. Donc bien couvert, c'est agréable. Hop, je suis en train d'allumer toutes les petites lumières de la maison. Se mettre dans l'ambiance. De nuit, d'histoire, j'arrive pas à trouver l'interrupteur. Marley vient nous lâcher un rototo là, hein, limite bien dégoûtant, hein, cochon. Hop. Tiens. Allez, j'ai pas enlevé ton harnais. J'ai mis son bracelet, son collier qui clignote. Je sais même pas pourquoi tu l'as mis. Bah, c'est par habitude. C'est vrai que c'est bien pratique quand il fait noir, ces colis, on les voit bien. Comme ça clignote. Hop, allez. On va se réinstaller devant la cheminée. Hein, on va se trouver un truc à faire. Ouais, c'est quoi? Tu vas jouer à mon jeu. Tu vas jouer? Bah, tu vas me dire les sons de la Suisse. Oh non. Il suffit juste de me lire. Allez. Alors, tu vas jouer. Vas-y, si tu peux jouer. Voilà. Moi, je vais commencer à monter le vlog pour ce soir. Comme ça, je suis encore en train d'allumer les lumières. Il y en a plein de partout. Hop. Voilà. Allez. On avait un petit léger creux. Donc, on s'est pris un petit morceau de gâteau au chocolat, amande chocolat. Je vais vous montrer un peu la texture. Vous voyez, ça fait un gâteau un peu moelleux, humide, quoi, en fait. Et on le sert avec la crème anglaise, comme ça, à l'amande. Ouais, on va manger ça. Greg est en train de jouer. Moi, comme je vous ai dit, je vais commencer à monter blog pour ce soir. That everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what. Presque 6h30. Greg est parti reconduire la chérie Angel qui, comme je vous ai déjà dit, passe le week-end avec nous. Là, du coup, alors, il a joué une bonne partie de l'après, enfin, du reste de l'après-midi pendant une petite heure. Pendant ce temps-là, moi, j'ai monté le vlog et tout. Et ensuite, il s'est occupé de ses patates douces. Alors, ça fait 2 ans qu'il en fait. 2 ans qu'il est réussi pas vraiment, mais voilà, il continue. Il se dit que peut-être un jour il va y arriver. En fait, c'est très simple. Il arrive à les faire germer et tout, parce que voilà, ça pousse bien et tout. C'est très simple. Il les met dans un bac, il les coupe en morceaux, il les met dans un bac avec de la terre, il les recouvre d'eau, il les met dans un plastique. Donc, il arrive à chaque fois à les faire germer. Elles poussent correctement dans le potager, mais quand il y en a, c'est des toutes petites. Donc voilà, là, il les a mis plus tôt par rapport aux autres années. Il va voir ce que ça donne du coup. Comme je vous dis, il persiste. Il a raison. En plus, on achète une patate, ça coûte pas très très cher, la patate douce. Donc, c'est pas. Voilà. Ça, je veux dire, c'est. C'est pas ruineux de essayer, de réessayer, de réessayer. Donc là, je suis en train de préparer le repas de ce soir. J'ai fait un petit guacamole. Il me restait un avocat qui se perdait tout seul. Donc j'ai fait un petit guacamole. C'est pour l'apéro. Et puis il reste. Je vous avais dit, hein, hier, j'en avais fait plus.
exprès. On va les couper en petits morceaux. On va prendre ça avant notre repas. Donc ce soir, c'est toujours baguette avec des frites. Et là, cette fois-ci, c'est des merguez. Il me restait des merguez du couscous. Donc du coup, on va faire avec des merguez. C'est une bonne façon d'utiliser. Là, il me restait juste 4 merguez. D'habitude, je les aurais fait, mais du coup, voilà, il y en aurait eu trop. Là, je les ai mis au congélateur et je me suis dit, ça fera une petite viande pour l'américain du dimanche. J'étais en train de regarder. Alors, la dernière fois, c'était. Je vous ai dit que c'était simplement Marie, mais c'est pas ça en fait le titre. Je suis en train de regarder. Alors, c'est sur Cuisine TV. C'est sur le replay de Cuisine TV parce que Cuisine TV n'existe plus. Il y a juste le replay en fait maintenant, et quand on va dessus, alors j'ai essayé de regarder sur mon téléphone sur l'application d'SFR et il a pas, il y a que sur la télé en fait qu'il a. C'est même embêtant parce que du coup moi j'aimerais bien regarder sur mon téléphone comme le soir ou quoi pendant que Greg regarde la télé ou quoi, mais non, il a pas dessus. Alors je vais essayer de vous dire le titre. C'est alors en fait c'est Marie Berry, c'est les recettes simples de Marie Berry. C'est une anglaise ou une américaine, je sais pas trop, mais voilà, c'est assez, là j'ai mis 2-3 petits, là c'est vraiment des recettes toutes simples, sans sushi, sans épices qu'on a du mal à trouver, sans cuisine qui... Voilà, c'est une petite cuisine familiale, comme on aime. Et là, j'ai noté 2-3 petites idées. Alors, c'est, comme je vous dis, c'est pas forcément des recettes qui sont compliquées et tout, mais ça donne des petites idées. Comme là, elle faisait une soupe à la tomate et elle rajoutait des tomates séchées dedans. Et du coup, j'ai noté l'idée, parce que ça peut être une bonne idée pour ça. Donc voilà, je note, j'ai un petit bouquin avec un stylo à côté de moi et je note dès qu'il y a une petite idée qui passe, hop, voilà. Elle est en train de faire du chou-fleur rôti, je pense. Bon, mais je vais finir ça le temps que Greg revienne d'avoir été rechercher d'avoir été reconduire Marine, et puis ensuite on va se prendre son petit apéro de fin de week-end, puis on va finir la petite soirée tranquillement. Aujourd'hui ça aurait été une journée tranquille, toute douce, toute... fini de manger, on était en train de regarder Absolument Royal, un petit film d'amour, voilà, tout simple, tout gnangnan, qui demande pas à réfléchir, une petite histoire d'amour toute simple pour finir le week-end. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, on va aller prendre sa douche, mettre son pyjama, finir le film et aller faire un gros dodo pour attaquer cette nouvelle semaine en forme. J'ai eu Kim tout à l'heure au téléphone. Pour elle, ça va toujours. Moi, Quentin, ça va toujours aussi. Hein. Ils attendent que ça passe. Voilà, ça commence à être un peu long d'être enfermé. Mais voilà, ils sont... Quentin, il a l'impression d'avoir un rhume, quoi, en fait. C'est tout. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, à demain. Always there in my mind, but I just don't know if I'll dance with the lights on, if you're gonna be moving on solo.